Aujourd'hui, émission pétillante, effervescente, franchement. Oh, c'est bon, on a compris qu'on était à Reims, la ville de Champagne. J'ai le droit de faire quelque chose de moi quand même. Si tu veux tant t'amuser, va faire le sommaire alors. Alors ici à Épernay, on va faire un sommaire en mode champenoise. Donc pour les amuse-bouches, nous avons Valentine Fortin pour l'interview du jour. Et puis un peloton d'enfants du Secours Populaire pour notre coup de cœur. Et pour le dessert, Sarah, la vice-championne d'escrime. Et il y a l'étape du jour avec Dédé. Et n'oublions pas l'image du jour. Avec nous, pour un tour, c'est Média Pichu qui t'ambiance. Suis nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous, pour un tour, c'est Média Pichu qui t'ambiance. Suis nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour. T'as enfin trouvé une baignoire à ta taille, toi? Bah oui, je suis pas grosse, je suis juste forte. En parlant de fort, on retrouve Valentine Fortin juste maintenant. Et n'oublie pas de fermer la porte en partant. Non. Bonjour Valentine. Bonjour. Comment tu te sens aujourd'hui et comment as-tu vécu ces deux premières étapes? Très stressante. Les deux premières étapes du Tour de France avec la possibilité de choper un maillot jaune, c'est toujours très tendu. Donc des étapes très stressantes. On a vu hier avec de nombreuses chutes et de nombreuses filles qui n'ont pas pu repartir aujourd'hui. Un peu fatiguée évidemment parce que c'était quand même une journée dure physiquement et mentalement hier. Donc voilà. Comment se passe ce début du Tour pour Cofidis et est-ce que vous trouvez vos marques? Un peu difficile, on a perdu une fille directe sur les Champs-Élysées. Donc on est reparti hier à 5. Voilà, on est une équipe outsider. Donc notre premier objectif, c'est de montrer le maillot et de faire les plus belles courses possibles. On est un peu déçus des deux premiers jours, mais on va essayer de faire de mieux en mieux sur ces 6 dernières étapes. D'accord. Comment est l'ambiance dans l'équipe? Plutôt bonne, on ne se prend pas la tête. Jour après jour, on prend les courses et puis voilà. Toi qui es toulousaine, apprécierais-tu d'accueillir le Tour là-bas? Ah bah c'est sûr, je suis originaire de Toulouse mais j'habite actuellement à Grenoble donc j'espère que l'année prochaine ça sera dans les Alpes et puis peut-être à Toulouse, ça serait génial. Mais t'aimes quoi comme musique? Ah j'aime toutes les musiques moi. Moi ma musique préférée, on la retrouve chez FDJ et en plus on gagne aujourd'hui. Bah parce qu'on porte bonheur aussi, logique. Et ouais. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Martha est tombée sur l'étape de Provence, comment va-t-elle? Elle va plutôt bien, voilà. C'est vrai que les images sont impressionnantes, mais on va dire qu'il y a plus de peur que de mal. Elle est rentrée avec nous hier soir et elle était là ce matin, donc ça va. Ça aurait pu être pire. Comment arrivez-vous à remobiliser après son départ? La stratégie de l'équipe a-t-elle changé? Bah, la stratégie n'a pas forcément changé parce que c'était Cécilie la leader numéro 1, mais c'est sûr qu'on perd quand même une grosse carte en montagne. Donc du coup, on va dire que je vais essayer de prendre sa place comme je peux. Mais voilà, c'est sûr que ça fait une fille en moins, mais d'un côté, voilà, ça nous remotive aussi à tout donner aussi pour elle lors des prochaines étapes. Merci beaucoup. Bon, mais ici, on apprend à rouler, à faire du vélo, etc. C'est clair qu'au bout de l'image du jour, on en a besoin. Ben, si tu veux devenir comme Marc Vinco, faudrait savoir faire du vélo, non? Encore un jeu de mots. Ouais. Je porte le brassard, laissez-moi dans la surface pour la finition. C'est sûr qu'un champion en aura qu'un, mais moi et mon équipe, on ne fait qu'un. Viens avec nous, pour un tour, c'est Média Pichu qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous, pour un tour, c'est Média Pichu qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Prends garde, capitaine Jack Sparrow. Ah, j'ai gagné. T'es trop nul. J'ai jamais fait de l'escrime aussi, on m'a toujours doublé dans les SNDP. Mais si tu veux, Sarah, elle va t'aider. C'est qui, Sarah? Bah, c'est ma copine, celle qui a été juste vice-championne du monde. T'es drôle, toi, t'as une copine, toi? Je vais te taper.
Bonjour Sarah. Bonjour. Contente d'être sur le tour, d'autant plus chez toi. Oui, je suis très contente d'être là aujourd'hui, de pouvoir participer à ce Tour de France féminin. Voilà, c'est un très bel événement et je suis très contente d'être là. Pourquoi es-tu présente ici aujourd'hui? Es-tu personnellement fan du cyclisme? As-tu un favori? Alors, je ne suis pas extrêmement fan du cyclisme, j'aime beaucoup. Je suis surtout très contente d'être là pour soutenir le sport féminin, surtout. Et je suis très contente que cet événement soit de retour et que toutes les sportives et les cyclistes retrouvent leur Tour de France à elles. Qu'est-ce que représente le Tour pour toi et quels sont les plus beaux moments passés dessus au bord des routes? C'est un événement national vraiment que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà regardé ou participé. C'est je pense un des plus grands événements sportifs en France et c'est beaucoup de souvenirs je pense pour chacun devant sa télé avec sa famille. C'est un événement qu'on a tous et qu'on aura tous vécu une fois. Merci. Merci à vous. Aujourd'hui on a pu voir une ribambelle de maillots jaunes. Attends, je vais les attendre là pour prendre leurs impressions. Mais non, ça sert à rien. Dijon, il l'a déjà fait pour notre coup de cœur du jour. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre opération? L'opération, c'est l'ASO qui offre des vélos à 200 gamins, un peu plus de 200 gamins, 215 gamins de la Marne et de ses environs. Dans l'opération Tous à vélo. Et il faut savoir qu'au Secours populaire, le vélo fait partie de l'éducation populaire, justement, est au cœur de toutes nos actions de solidarité. Et ça fait depuis combien de temps que ça existe? Nous, ici, c'est la première fois que l'on fait cette opération-là, sachant que lorsque le Tour de France passe dans la région, nous sommes toujours invités à participer autour du Tour de France. Qu'est-ce que ça apporte aux enfants selon vous? Ça apporte déjà une chose, c'est que ça va leur apporter un vélo. Un vélo parce qu'ils vont repartir chacun avec leur vélo. Ensuite, le sport est quelque chose qui est un besoin physique, mais également un besoin psychique et qui est l'initiation à la solidarité, puisqu'on sait que le vélo est peut-être un sport individuel, mais on a vu pendant le Tour de France notamment que c'est avant tout un sport d'équipe. Et quel est le programme de votre journée sur le Tour? Alors là, le programme, c'est on va partir derrière les coureuses, et on va rejoindre la cathédrale. À la cathédrale, nous revenons ici, et avec une petite collation pour les enfants. Et ensuite, les parents viendront les récupérer et repartiront avec leur vélo, leur casque, leur maillot, et j'espère plein de souvenirs. Salut. Salut. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mohamed Chérif Kanté. Et comment t'as su qu'il y allait avoir cet événement? Ma mère, elle est partie au Secours Populaire et on l'a proposé que les enfants, on pouvait faire du vélo. Après, ma mère, elle m'a inscrit et aujourd'hui, nous sommes là. Et est-ce que tu penses que tu vas réussir à tenir toute la route? Oui, je suis un sportif, moi. Oui. Merci. Alors je t'explique Dylan, aujourd'hui on va jouer à un jeu de loi pour l'étape du jour avec Dédé. Et qui c'est Dédé? Pas Dédé, Dédé. On devra gratter Dédé. Et pourquoi j'irai gratter Dédé? Pourquoi? Pour gagner un stylo 4 couleurs, ça roule. Ah, il fallait agir tout de suite. Il est où ce Dédé? Dédé. Oh, mais tête de cochon. Salut Dédé. Salut, tu vas bien? Ouais, toi? Écoute, c'est parfait. Est-ce que tu pourrais nous présenter la quatrième étape, s'il te plaît? Oui, je peux faire ça, mais d'abord, je vais enlever mon chapeau. Ok. Montre-nous tes beaux cheveux. Et voilà. Et je cache les miens. Ouais, cache tes cheveux. Alors, oui, tout à fait. 126,8 km demain pour... non, pas demain? Aujourd'hui, non? Aujourd'hui. Ah bah oui, voilà. On est toujours décalé. Alors, on disait donc 126,8 km pour cette quatrième étape, une étape qui va se dérouler intégralement dans le département de l'Aube, au départ de Troyes et avec une arrivée sur Bar-sur-Aube, une étape avec un certain nombre de petites difficultés, des côtes de 3e et de 4e catégorie. On n'est évidemment toujours pas dans les hauts sommets qu'on aura bientôt quand on arrivera sur le Markstein et quand on arrivera bien sûr sur la partie d'Alsace et sur le final de ce Tour de France
femmes, mais quelques petites côtes, 3e, 4e catégorie sur la deuxième moitié de l'étape. Et spécificité, le passage dans ce qu'on appelle les chemins de vigne. Ils seront au nombre de 4. Ce sont des passages dans des chemins qui sont en terre et qui ne sont pas asphaltés. Donc attention aux crevaisons, attention aux chutes. Le peloton est nerveux, les filles sont très nerveuses et chutent assez souvent. Attention sur ces zones qui sont difficiles. Ce sont évidemment des zones qui ne sont pas préparées. On les laisse dans leur état, c'est-à-dire par terre avec de la caillasse, avec de la terre, avec du sable. C'est là où passent les engins qui travaillent dans les vignes. Donc c'est une spécificité. Le Tour de France Femmes essaie de trouver des originalités, en voilà une. Eh bien, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va faire de très belles images et sportivement, je pense que ça va être très intéressant. Ben, j'espère qu'aucune fille va tomber. Hein. Bonne chance à vous. Oui, bonne chance à tout le peloton. It was amazing when the yellow woman win this. Attends, mais tu t'appelles pas un peu trop là? T'as déjà fait l'étape en camion et en dormant et en plus tu t'habilles en maillot jaune. Bon, j'avoue un peu, mais bon, c'est pas grave. On se voit demain. Au revoir. Au revoir. C'est parti pour un tour, entrer dans la légende. En bas de nos tours de France, vise l'horizon total des paysans. Pas rapporté qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens, on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pichoun, c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion. On tient la distance pour la 5e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour, en bas de nos tours, sans détour. Pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pichoun qui t'ambiance. Suis nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pichoun qui t'ambiance. Suis nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je sais même plus si on mate les tours ou si les tours nous guettent. Et après le tour de la question, je m'entête à rester là, je m'embête. Rigole de marre quand ça tape depuis l'enfance. Mais y'en a marre, viens on se casse faire le tour de France. Même ambiance à chaque étape, des souvenirs sur les portables. De quoi grailler à chaque table, ici tout est confortable. On roule, on se laisse aller. BMX, VTT, survêt, basket au pied. On tourne comme la roue, à croire qu'on connaît la route. Pour y regrandissant, sur des chemins glissants. Mets ton casque man, ça changera ton Walkman. Commu, communique, si le but c'est de faire gagner l'équipe. Passe les vitesses, pas les rapports, oublie le cric, mate la mer, le ciel avec ta clique d'une crique. Et c'est à bord, on part à l'abordage des nuages. Sans capitaine à bord, sans capitaine à bord. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pichoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pichoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours.